Eh bien salut à tous et à toutes les snipers, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rocket League. Alors je vais vous expliquer un peu le contexte, vous rappeler un peu le contexte de cette vidéo, parce que sinon vous allez rien comprendre du tout. Alors, je fais partie depuis un peu moins de deux semaines d'une communauté qui s'appelle la Jaya France, que je vous mettrai le lien dans la description du site. C'est une communauté multigaming, donc moi je fais partie de la section Rocket League, et il y a plein de gens de Rocket League, donc si vous voulez venir jouer, il n'y a pas de problème, je vous mettrai le lien du site d'inscription, vous pouvez venir sur le TS, il n'y a pas de problème, pour jouer avec moi ou avec d'autres, il n'y a pas de niveau particulier, voilà. Et de multigaming, il y a plein de jeux, il y a Overwatch, bref, voilà. Et nous, on est sur Rocket League, et il y a un tournoi qui a été effectué par la Jaya. Donc on était, je pense, à peu près entre 30 et 40 participants. C'était des équipes de 3. Voilà, c'est l'équipe de 3. Donc là, ce que je vais vous montrer comme gameplay, c'est la finale. C'est la finale de ce tournoi qui a été nous, finalement. On a été en finale, on a réussi à y aller. Je sais pas comment on a fait, mais on a réussi à y aller. Alors, les équipes, les niveaux, c'était à peu près entre. Ça partait du niveau 40, donc expert, et ça pouvait aller jusqu'au niveau 70. Voilà, donc c'était quand même un tournoi avec un bon niveau. On était tous à peu près environ Challenger Elite jusqu'à Champion. Je vais expliquer après. Globalement les niveaux de chacun, et puis voilà. Donc nous notre équipe, c'était l'équipe des marabouts glissants, voilà. Donc et l'équipe en face, c'était les no name, voilà. Donc je tiens à préciser que ce gameplay, ça a été fait, c'est une rediffusion de stream, donc du stream de Razmeltor. Razmeltor, c'est celui qui a commenté le match, vous allez voir, il commente très bien. Donc vous avez le lien de son Twitch et de son YouTube dans la description. Donc c'est celui qui a commenté ce match et qui l'a enregistré, moi j'ai juste pris la rediff. Vous avez pas le gameplay où c'est nous qui parlons, parce que je vous rappelle que chaque équipe était sur TS, TeamSpeak, et vous nous entendez pas parler, vous entendez que Razmeltor qui commente. Mais nous on parlait dans notre coin et notre équipe aussi, voilà. Donc vous entendez pas la rediff. Voilà, vous entendez pas nous en train de parler, mais voilà, au moins il commente, je trouve qu'il commente vraiment bien, donc voilà. Et donc voilà, donc je vous dis pas que c'est qu'à gagner, vous verrez à la fin je vais vous retrouver. Et puis dites-moi si vous voulez que j'arrête le prochain tournoi, qui lui sera dans deux semaines pareil. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ici, voilà. Donc les no-name en face, ils étaient les deux ils étaient champions. Il y en a un, il était un peu moins, je crois, il était étoile montante, tout à bleu, ou all-star, je sais pas. Et nous, donc moi j'étais niveau 59, mes alliés... Il y en avait un autre qui était superstar. Moi j'étais superstar, et en tout cas en saison 2. Et vous allez voir Belair, un autre, il était étoile montante. Vous allez voir, il a quand même bien géré. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon visionnage. Et puis vous allez voir qu'on a joué très très safe. Et même on a raté beaucoup d'actions. Vous allez voir, j'ai raté beaucoup d'aériens. On a raté beaucoup de choses à cause du stress. Parce que grande finale. Il y avait un petit lot de 5€ à gagner. Voilà, plus 2 clés World of Warcraft. De 30€, je crois, ou je sais plus trop quoi. Voilà, on a joué très safe, on a raté même beaucoup d'actions. Vous allez voir un moment dans la partie. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué le moment. Qu'il y a un moment, il y a encore que dans mon équipe qui se loupe une action, mais devant les buts, quoi, c'est ouf. Et franchement, je vous laisse regarder. Et voilà, rien à dire d'autre. Et puis je vous dis bon visionnage. Si, j'oublie quelque chose, excusez-moi. J'étais à préciser que la finale était en BO5, c'est-à-dire que c'est en 5 parties. Donc, si c'est en 5 parties. Ça signifie que c'est le premier qui est arrivé à 3 parties gagnées qui gagne, puisque imaginons qu'on gagne 3 parties, les autres il reste plus que 2 parties, ils peuvent mettre que 3 à 2, donc dans tous les cas on a gagné. Donc c'était le premier arrivé à 3. Donc je vous ai laissé la fin du... Il y avait 2-1, au moment où vous allez voir la vidéo commencer, et on va la gagner. Il va y avoir 2-2, et du coup ça va être vraiment le gagnant du prochain match qui va gagner le tournoi. Donc je vous laisse avec la fin. Salut. Et encore, qui va pousser cette balle, contrôle de Infao, attention c'est un peu lobé, petit book, c'est bien fait, elle est belle, petit book encore, et non, quel arrêt, c'est finalement stoppé par Belair, c'est dommage, c'était une très belle phase de jeu de la part des no-name, la petite passe lobée de Infao derrière, oh le dribble, oh là 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 là, le retour de Sniper RL, ils vont pas y arriver ces no-name à revenir dans ce match. Est-ce qu'on va avoir un match ultime, la finale des finales, la finale de la grande finale de la Super Cup? On va peut-être y arriver dans 20 secondes, en tout cas, ce sera le cas. Ou attention, là, il faut rien lâcher. Il reste 12 secondes, c'est bien fait. Ok, Sniper RL qui gagne du temps, il a bien raison. Il tempo, il clear cette équipe des marabouts. Il clear, ça pousse du côté des no-name, mais... ça ne donnera rien. Et victoire pour les marabouts. On se retrouve encore une fois.
à 2 partout. Dans la finale du winner bracket, c'était le même match, il y avait 2 partout aussi. Décidément, impossible pour une équipe de prendre trop l'avantage. Mais je rappelle quand même que les No Name, ils avaient une victoire qui était donnée d'avance du fait du winner bracket. En vrai, là, concrètement, il n'y a eu que 3 matchs et 2 victoires pour les marabouts. Du coup, streamer, le gameplay est de bonne qualité. C'est génial, Sniper. C'est beau ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites. En tout cas, il y a énormément de suspense. Et on va suivre ça, ce dernier match du coup, de cette Super Cup. Avec beaucoup d'attention. Alors, est-ce que tout fonctionne au niveau du stream? Oui! Voilà. Luminax, Ali. Écoutez, Erasmus. Très bien. Bien! Et c'est parti! Oh là là, ils sont super chauds, les deux mecs, observez, c'est parti. Ok, calmez-vous. C'est la finale de la finale. Le dernier match, les joueurs sont présents. Évidemment, j'ai un bug d'affichage. Non, il y a un joueur que je vois pas. Ah oui, il est là-bas. C'est bon, il est là. Il manque juste son nom. Ok, oh la frappe de Kemp, c'est bien arrêté. Pas encore. Alors là, celui qui gagne ce match gagne la compétition. Voilà. Ok, ça part bien pour encore. Y'a personne ? Ça va rentrer ? Non, c'est dégagé par Kem. C'est super chaud, en tout cas. Première grosse action pour les marabouts. Oh, petit boucle juke. Oh, c'est bien défendu par encore. Y'a plus personne ! Y'a plus personne, Belair, il faut qu'il marque. Et oui, 1-0. But de Belair. 1-0. C'est donc cette équipe des marabouts qui ouvre le bal. Ils mènent 1-0. S'ils maintiennent ce score pendant 4 minutes 27, ils remportent la Super Cup. Mais ça va pas se passer comme ça, ça m'étonnerait. Il va falloir continuer à mettre la pression et résister au terrible assaut de cette équipe No Name. Attention, c'est très bien centré. Ouh, ils sont à 2 sur cette balle. Oula, Sniper RL qui part en move solo. C'était parti dans l'axe, c'était pas mal. Attention, cette balle, c'est dangereux encore peut-être. Ouh, dommage, là il avait le 2-0 au bout des roues. Mais ça n'aurait rien, Kem qui va contrôler cette balle, peut-être pour un juke, c'est fait, mais c'est très bien dégagé par... Oh là, la balle contrée. Oh, c'est dangereux, le Boons. Le Boons. Oh là là là, ils l'ont pas vu venir, ce rebond terrifiant. Et oui, il a fait des victimes, ce rebond, dans la gouttière. Ok, Kem, ok, ils sont très offensifs là, les marabouts. Il va vraiment falloir continuer à mettre une pression comme ça, s'ils le font, ils peuvent réaliser l'exploit. Petit boucle, la frappe, attention! Et l'arrêt de Belair, Kemp! Oh, l'arrêt de encore! C'est fantastique ce qu'il nous propose! Quel match pour l'instant, les amis! C'est extrêmement serré. Omfa qui maintient la pression. Ok. Ouh là là, le mauvais dégagement au profit de Kemp en deux temps. Non, c'est Petit boucle! Oh, ils ont raté! Oh là 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 là! Ils sont retranchés en défense là, les marabouts, mais ça part en contre-attaque avec encore! Ok, c'est bien défendu par Kemp. Ok, Petit Book qui va dégager cette balle pour Imfa sur le côté. Belair. Belair encore. Belair encore. Ok, c'est bien défendu par Petit Book. Mais les actions sont pour l'attention. Oh, Sniper RL qui est parti en aérienne. La déviation de Petit Book. Ça ne donnera rien, mais la balle est dans le camp des marabouts, ça part en l'air encore. C'est bien joué, attention, cette balle revient dans l'axe pour Imfa. Oh, ils se sont gênés, c'est terrible. Ah là là là, c'est dommage. Bad call. Attention, on va pas contrôler. Oh, oh, le mind game de encore. Le juke. Mais quel plays. Mais... Ah, il a raté. Oh là là, c'est terrible. Oh mon dieu, il avait fait tout le boulot. Il avait tellement bien joué. Mind game, juke. Il avait plus qu'à la pousser, mais ils se sont gênés un petit peu. Avec son coéquipier. Oh, c'est dommage, c'était l'action du tournoi. Oh, attention, ces centres, ils sont très bien. Un petit peu fort, c'est dommage. Ça ne donnera rien. Oh là là, c'est dommage, le play, c'était vraiment génial. Oh, attention à cette balle dans l'axe. Oui, parce que là, ça veut partir dans l'autre sens très rapidement. Et là, il faut pas prendre de... Attends, petit boucle, bon plays. Mais là, et les défenseurs là de Marabout sont vraiment au taquet. Allez, il faut la laisser, Belair, voilà. Pour Sniper, c'est clear, mais Kemp à la réception. Attention, ça part en aérienne, le duel remporté par encore, ça va rebondir contre le mur, ça va dans le but, mais Kemp a démarré son aérienne correctement.
Il va pouvoir empêcher ça. Oh là là, Kemp décidément totalement on fire. Et ça rentre pas. Attention, là, c'est le but. Ah ouais, super plays de Kemp qui enchaîne un arrêt suivi d'une frappe lointaine qui va rebondir sur le but. C'est Imfa qui aura bien follow, qui va mettre ce but. Égalisation là. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe. En tout cas, c'est ultra chaud. 1 minute 32. Kemp juste après le kick-off. Ok, encore. Ouh, attention à cette balle prise par Kemp. C'est non cadré, mais attention au Boons. Attention Kemp peut-être. Petit contrôle. Ok, ils se sont bien entendus là. Encore, qui va dégager cette balle. Oh là là, le mauvais contrôle de Kemp. Oh, il passe à côté, c'est dommage. Belair peut-être en double touche. Ouh, cette balle est terriblement dangereuse, mais il n'y a que Kemp. Personne pour conteste ce tir. Attention à Kemp là. Ouh, là, il aurait pu faire un juke terrifiant. Ok, petit book qui va bien jouer le rebond. Attention à pas se faire. Oh là là, c'est l'erreur. Oh, sniper aérien qui arrive à dégager cette balle. Heureusement, c'est non cadré. Pas assez puissant pour empêcher Kemp de dégager cette balle sur le côté. C'est très bien joué contre le mur. La retombée du ballon par sniper RL. Imfa qui va dégager cette balle pour petit book. Attention là, il faut pas se gourer sur le boon. Oui, c'est bien fait ça. C'est dégagé sur le côté. Oh, petit book là. Marche arrière, un petit peu en difficulté. Oh là, les trois joueurs là qui. Les deux joueurs qui chargent. Attention, Belair. Oui, c'est bien fait. Ok, petit book. Sniper RL qui a une bonne balle là. Et c'est le but. Oh là 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 là, 8 secondes de la fin. L'erreur défensive. Kem qui va tirer cette balle, ça va faire un centre dans l'axe. Et c'est le but. La team. Ouais, GG, attention, c'est pas fini. Ils ont déjà marqué au kick-off. Ils ont déjà marqué au kick-off. 5 secondes. Alors là, il faut pas paniquer. Il faut pas paniquer. 2 secondes. Ah, cette balle! Et c'est le... Non! Ça rentre pas! Ah, et c'est terminé! Les no-names qui s'inclinent face au marabout glissant. Victoire 3 à 2. GG tout le monde. Les marabouts glissants qu'on aura vus, décidément, on les aura suivis toute la compétition. Hein, évidemment, on peut pas trop savoir, hein, mais comme... On les a streamés assez tôt pour voir un petit peu ce qu'ils avaient donné. Derrière, ils ont gagné, du coup on a dû les streamer. Et du coup on les a streamés en finale du winner. Ensuite on les a streamés en finale du loser. Bah, on a vu que eux ce soir et c'était un vrai plaisir. GG à eux. Je te propose d'aller les voir si vous voulez. Exactement. On va aller voir un petit peu, prendre leurs impressions à chaud avant de couper ce stream. On va aller voir tout de suite. Allez go. Oh oh oh! GG à vous! Vous êtes en live, hein, je précise quand même. Félicitations, ouais. En tout cas. Très belle victoire. Merci. Bon alors, je sais pas si vous avez suivi un peu le live, mais du coup, on aura vu quasiment tous vos matchs. On a passé la soirée à vous streamer. Bah, c'est un petit peu le hasard des brackets. Non, c'est terminé là. Ah non, non, on avait 3. Ouais, 3, mais c'est pas un BO7. Hein. Ah, c'est pas un BO7 non, là. Non. Ah, on a gagné. On a joué. C'est fini, les gars! Donc, en fait, c'est terminé les gars. C'est terminé. Non non, vous avez fini. Vous gagnez donc. Vous gagnez 3 à 2. La première Super Cup. Félicitations à vous. Je peux aller voir Petit Book ou pas 2 secondes. Voilà. Bon bah je vais couper le stream. 2 secondes les gars. Faut dire je. Voilà. Donc je vais couper le stream dès maintenant. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et bien comme vous l'avez vu, on a gagné la Super Cup. Voilà, donc on a gagné, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure dans l'intro mais je m'en souviens plus. Je crois qu'on a gagné 2 codes World of Warcraft d'un mois avec des extensions et tout ça. Et ainsi que 5€ sur Steam, donc pour s'acheter des DLC, des nouvelles voitures et tout ça sur Rocket League ou n'importe quoi, voilà, donc moi je sais pas trop ce que je vais en faire, mais voilà. Mais pour ça on a gagné chacun nos prix. Donc on était assez contents. Donc là je vous mets sous les yeux le récapitulatif du tournoi avec tous les matchs qui ont été faits, tout ça. Voilà, donc vous voyez que nous on a gagné
Donc ce que je voulais dire en plus à la fin de la vidéo, c'était que là vous avez vu que le dernier match de la finale. Dites-moi si vous voulez voir d'autres matchs que j'ai rec en tant que sur le stream, pas que moi que j'ai rec en direct. Malheureusement je n'ai rec aucun parce que j'en étais tellement concentré et tout, et j'y ai pas pensé justement à rec. J'ai oublié, je suis un peu con, j'ai oublié, mais bon, je parle, vous verrez que des matchs de stream, genre les demi-finales et tout ça, où on a été. Si vous voulez voir, vous me dites dans les commentaires. Et le premier match, tout premier match qu'on a fait, on a joué contre non pas tout premier match, mais un des premiers matchs qu'on a fait, on a joué contre une team de mecs que je connais très très bien en face. Et je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, celui qui la rec. Il a rec son point de vue à lui, et on joue en face. Donc je vous laisse son lien dans la description. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos du tournoi ou d'autres matchs. Salut tout le monde.